par événement sur TNC, Big Flo et Oli en concert dans la plus grande salle d'Europe. Vous êtes prêts, les fans? Big Flo et Oli. À Paris, c'est la plus grande salle d'Europe. Et ça rigole pas. Comment vous avez préparé ça? Alors, c'était longtemps qu'on a préparé ça. C'était plus d'un an qu'on est dessus. Il faut le voir tout en deux fois plus grand. Oui, parce que le stadium, en fait, c'est ridicule. C'est le stadium à Toulouse. Non, attendez, le stadium, il y a autant de personnes qu'à la Défense. À peu près, ça joue. Mais pourquoi vous avez dire que c'était le plus grand stade d'Europe? Non, la plus grande salle couverte d'Europe. Ah, d'accord. Donc, il y a combien de personnes? On va être à peu près entre 35 et 40, je crois. Et à Toulouse, voilà. Vous faites dur? Toulouse, on est en 2033, 34. Mais c'est pareil. Non, personne ne fait l'émission. Mais non, pas d'accord, c'est juste que je représente tout, tu vois. Alors, depuis vos débuts, vous n'arrêtez pas. 3 albums, plus d'un million de disques vendus, 3 victoires de la musique, des tubes à la chaîne, des zéniths ultra complets, les plus gros festivals, la plus grande salle d'Europe demain, à part Toulouse. Comment vous avez fait pour éviter de Berlin? C'est compliqué des fois. On avait fait une pause il y a deux ans. Ouais, on avait fait une petite pause. Tu connais bien nos vies, On avait fait six mois de pause un peu pour s'éloigner de tout ça. Mon frère, c'est un incroyable. D'accord, il est intuable. Lui, on peut lui dire tous les jours il y a des concerts. Et si tu lui disais que tous les jours il y avait un show, il serait content. Et vous, non? Moi, j'aime les vacances. J'aime les petites piscines. J'aime les motos, jouer aux vidéos. Voilà, ça, c'est une partie de ma vie que je kiffe. Non, mais on se rappelle que c'est positif et c'est. Bien sûr, c'est un rêve de gosse, on est en train de vivre. En gros, là, c'est le moment où jamais on tire jusqu'au bout et on est sur la fin du trait. On va se reposer après. Ça veut dire que vous avez arrêté pendant quelques temps. Il va falloir faire un autre album aussi. Ouais, on va refaire de la musique. Donc, ne l'arrêtez pas. Non, mais on va prendre un peu de recul. Il va faire un album. Là, je vais chez ma mère pendant une semaine. Et si on recevait El Padre? Présentez-vous le prochain invité, c'est un peu votre poulain. Vous produisez son premier album et vous savez que quand on a quelqu'un. C'est la première album, alors père. Il faut faire une intro, il faut dire pourquoi on a voulu l'inviter, tout ça. C'est à vous de le faire. Tu peux me donner une fiche que tu n'utilises plus là? Ouais, fiche, comme ça fera un peu terrible. Voilà, ok, prépare-toi. Je regarde cette caméra et le stylo ici. Ah oui, le stylo, très important, il faut le bouger un petit peu. Le prochain. Le prochain invité qu'on va recevoir, c'est un artiste énorme. C'est un artiste qui a une carrière déjà très grande derrière lui. Ça fait quasiment 40 ans qu'il fait de la musique. Et c'est aujourd'hui seulement qu'il vient sur notre plateau du quotidien. C'est mon père. Au-delà du fait que soit notre père, c'est quand même une part de l'histoire.